le bois ne rend pas les coups. Le bois ne rend pas les coups. Par les coups. Salut bande de furieux, c'est Eliala et je suis très déçu. Très gros problème avec YouTube. Un problème de taille, on va dire. Je me suis pris la punition divine de YouTube sur les droits d'auteur à cause de ce jeu, à cause du mode carrière, à cause des musiques sur licence, les musiques qui ont des droits d'auteur. Et comme c'est un jeu e-sport, bah, droits d'auteur, ça va de pair. Et ça fait mal, ça fait très mal. Je vous avais fait 5 épisodes. Je vous avais préparé 5 épisodes, uploadé tout sur YouTube. Magnifique, je me suis dit, ok, je prends un peu d'avance. Comme ça, vous aurez des épisodes comme ça, tranquillement, pour passer le temps sur le mode carrière de UFC. Que nenni, YouTube m'a mis une droite dans la gueule. M'a mis KO, commotion cérébrale, en me disant que, ouais, mais gars, écoute... T'as beau faire ton show derrière ton PC, mais il y a des règles qu'il faut respecter sur YouTube. Et les règles sont ainsi dire, assez cruelles, on va dire. Parce que les 5 vidéos, je les ai mis en privé, évidemment, ont été bloquées dans certains pays, dans plusieurs pays même. Bloquées sur smartphone, bloquées sur tout ce qui est smartphone, tablette, tout ça. Donc l'intérêt n'était pas très intéressant pour moi de laisser ces vidéos-là. Donc je les ai toutes supprimées. Et je me suis dit, bon bah, on va voir comment on va arranger ça. Donc on va retirer les sons du jeu. Donc je retire les sons du jeu. Je me dis, bon, ça va le faire aussi. Je retire les sons du jeu. Et non, parce que le mode carrière, alors je sais pas, eSport, mais c'est vraiment des cinglés ces mecs-là. Je sais pas, ils veulent qu'on écoute leur playlist jusqu'à la fin, quoi. Si t'as pas le choix. Donc j'ai enlevé toutes les musiques, donc je reprends mon mode carrière. Et en fait, le mode carrière est un mode à part dans le jeu, c'est-à-dire que vous êtes obligé de vous taper les musiques, vous êtes obligé de vous taper l'ambiance du mode carrière, et on ne peut pas baisser le son de la musique dans le jeu, parce que je vais vous montrer l'absurdité dans les options de ce jeu, parce que ça m'a rendu complètement cinglé. Je vous montrer ça, c'est vraiment, je sais pas, je comprends pas. Ce que UFC a voulu faire, ce que eSport a voulu faire avec ce UFC. Donc là, comme vous voyez, j'ai enlevé toutes les musiques. Donc il n'y a pas de musique, il n'y a que les musiques d'entrée qu'on garde. Parce que ce sont les musiques d'entrée, parce qu'on ne peut pas les enlever. Mais le pire dans tout ça, c'est quand tu vas dans les paramètres de jeu, tu vas dans audio, tu as une espèce de truc de volume de DJ, ok. Et là, en fait, le truc, c'est que. On ne peut pas régler le volume de la musique. C'est-à-dire que vous devez choisir entre diffusion, spectateur, octogone, partie. Et dans personnaliser, on ne peut pas jouer avec les barres de volume sur le côté, là, avec full, effet sonore, musique, commentaire, coach. On ne peut rien faire avec. Tout ce qu'on peut faire, c'est avec la roue, tourner avec R2 et L2 pour choisir des commandes. Des commandes, des programmes, des choses prédéfinies. Et ça, je trouve ça complètement débile. Complètement débile. C'est comme la création du personnage. Ce sont des choses qui sont déjà prédéfinies. Vous pouvez pas faire un truc... Vous pouvez pas faire un personnage complètement what the fuck. Si vous pouvez avec les couleurs des cheveux et tout. Mais c'est des choses prédéfinies. Vous pouvez pas faire ce que vous voulez, en fait. Vous pouvez pas mettre... Vous pouvez pas changer la taille de la pommette, la taille des yeux, trucs comme ça. Vous pouvez rien faire du tout. Tout est prédéfini. Je trouve ça assez dommage quand même pour un jeu de combat comme ça. Donc qu'on puisse pas personnaliser son personnage et personnaliser les paramètres audio comme on le sent. Parce que là, c'est vraiment abusé, quoi. On peut rien faire du tout. Donc c'est pour ça, les droits d'auteur, ça m'a vraiment pris la tête. Donc j'ai essayé de régler ça le maximum que je puisse faire. Là-dessus, c'est ça. C'est mettre la musique à 49. Moi, je voudrais la mettre à 0, mais on ne peut pas. Et comme je l'ai dit, en plus, le pire, c'est pas ça le pire. Le pire,
c'est qu'en mode, en mode carrière, vous avez que ce choix-là en audio, c'est-à-dire le mode diffusion. Mais si j'enlève tout le volume ici, vous avez plus de volume sur l'ambiance, quand je tape le sac, quand on se bat, quand les gens ils commentent et tout, c'est pas top du tout, ça fait vide. Et je trouve ça vraiment, vraiment chaud, très très chaud. Donc voilà, j'ai fait 5 épisodes, 2h30, j'ai fait le montage sur 3 jours. Montage, mise en ligne, tout ça sur 3 jours. Je vais vérifier, je vois ça, droit d'auteur, je dis oh la vache. Franchement les gars, c'est chaud, c'est très très chaud. Je me suis dit, bon bah tant pis, hein, tant pis, on fait pas le mode carrière. On laisse tomber, quand on laisse tomber le mode carrière, on fera juste des matchs comme ça. Je me suis dit, ouais, c'est dommage quand même, parce que le mode carrière a l'air vraiment sympathique. Donc on va voir ce que ça va donner, si je me prends encore des droits d'auteur sur les sons. Bah voilà, je me prendrai des droits d'auteur, mais espérons que ce soit pas bloqué quand même sur smartphone et sur tablette, parce que ça serait chiant. Soit bloqué dans certains pays, c'est pas grave, ça je m'en fous, tu sais, complètement. Mais sur smartphone et tablette, ça me dérange un peu plus, parce que je sais que certains de mes abonnés, la plupart, regardent mes vidéos sur leur téléphone portable. Et sur leur tablette, donc ça serait dommage à ce niveau-là. Donc, comme je l'ai dit, j'ai déjà fait 6 combats, donc 2h30 de combat dans le jeu. J'ai fait 5 victoires, 3 KO techniques et 2 KO normaux. J'ai eu une défaite, bah, c'était mon dernier combat, j'ai eu une grosse défaite. Hein. Ah, je me suis fait... Allez, on va lancer. J'ai eu une très très grosse défaite. Donc par soumission, donc mon perso il est pas très très chaud en soumission, c'est à dire que j'ai pas beaucoup de résistance et puis je comprends pas du tout la technique au sol. La technique au sol et le clinch, c'est pas trop mon délire. Moi je me suis mis comme caractéristiques de boxeur, donc je suis plus un peu à la Fight Night Champion, un peu, un peu à taper dedans quoi, mettre des gros crochets, des hypercutes, des trucs comme ça, pas très très jambes. Mais voilà, c'est pas grave, c'est pas très très grave on va dire. Donc ouais, grosse déception que c'est cela, hein, on ne peut pas enlever les musiques, regardez ça. Donc hop, donc mouvement, attendez, une récompense, j'ai rien du tout. J'ai rien du tout en récompense, de toute façon, pour l'instant. C'est quoi? Voilà, dans les paramètres, vous venez ici. Donc, vous allez dans audio. Vous dites, bon, on peut changer tout ça, mais non. Voilà. Vous êtes obligé de vous taper ça. Vous êtes obligé de vous taper cette configuration, mais c'est atroce, quoi. Mais s'il vous plaît, eSport, quoi. Mais on est en 2014, les gars, bientôt en 2015, quoi. Personnalisation, quoi. On ne peut même pas choisir. Je sais pas, hein, peut-être qu'il y a une touche que je ne vois pas, je sais pas, mais on ne peut même pas choisir si on veut garder les musiques ou pas dans le mode carrière. Je trouve ça complètement abusé, de chez abusé. C'est pour quitter, donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe. On va voir le classement vite fait, parce que comme vous n'avez pas pu le voir... Vous avez pas pu voir, vu que là on recommence le mode carrière, c'est le premier épisode pour vous, hein. Pour moi c'est le 6ème, mais pour vous ça va être le premier épisode, parce que les autres ont été effacés, comme j'ai dit, supprimés de YouTube. Donc vous avez vu, mon personnage s'appelle Lucius Jackson, dit Bad Intentions. Donc comme vous avez vu, hein, je suis 35ème, je suis classé 35ème au poids welter. Donc là on peut s'attribuer des compétences à son personnage, des compétences stratégiques. Là par exemple debout physique, je vais lui mettre encore quelque chose de physique. Qu'est-ce que je vais lui mettre en physique? Donc vous avez des compétences comme ça pour améliorer. Pendant un dégât critique de santé, vous ne subissez aucun dégât en bloquant les attaques standards. L'endurance monte plus vite en se déplaçant. Pendant les dégâts critiques, la santé récupère. S'il y a quoi? Frappe les fluidités, je vais augmenter ma fluidité. Voilà, répartition des compétences. On retourne, tac. Après le jeu, en fait, votre boxeur, j'ai dit qu'on pouvait pas trop le personnaliser au niveau du physique, mais au niveau des coups, on peut le personnaliser. Donc on peut s'acheter des compétences. On peut s'acheter des compétences, c'est-à-dire on a des attributs plutôt. Donc voilà, on a des attributs ici, on a des mouvements. On peut s'acheter des mouvements, ce que je vais faire, parce que
Mes mouvements ne sont pas top top. Ils sont pas top top. Déjà acheté. Crochet puissant. Je vais prendre crochet puissant. Mince. Crochet puissant et direct puissant aussi. J'ai pris hyper puissant, direct puissant. Ouais, j'aime pas le spanning back fist parce que voilà, j'ai pas envie de le prendre pour l'instant. Et là on va prendre un coup de pied, enfin un coup de jambe puissant. Any sauté, non. Ouais, ça c'est pas mal le Aldo. Là je me suis pris Brazilian kick. Le Brazilian kick il est bien, moi j'aime bien le Brazilian kick. Ça c'est vraiment le top en termes de coup de pied. Capoeira. Voilà. Après, quand une fois que vous avez acheté vos compétences, vos nouvelles compétences, donc vous gagnez des points, hein, des points d'expérience dans le jeu pour votre niveau et des points de capacité, on va dire ça comme ça, qui vous permettent d'améliorer votre personnage, que ce soit physiquement, voilà, physiquement, que ce soit au niveau de ses attributs ou au niveau de ses mouvements. Donc vous devez gérer vos compétences. Vous voyez que moi, en général, je suis à 69, je suis meilleur debout, soumission, je suis mauvais au sol aussi. C'est pas trop mon délire parce que je me suis plus occupé du renforcement musculaire de mon personnage, c'est-à-dire pour mieux résister aux coups. Et au niveau du debout, parce que j'aime pas trop le sol et le clinch. Donc là, le direct, est-ce qu'on peut changer? On va mettre le direct puissant, le crochet, on va mettre le crochet puissant, l'uppercut, on va mettre l'uppercut puissant. Donc le overhook, comme je vous ai dit, hop. Après il faut voir, donc vous avez des, voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu comment ça se passe. Tiens, je vais mettre le overhook là, je l'avais pas mis. Tac. Coup de 99, en fait, donc direct puissant. On va mettre tout ça en puissant, tac, hypercut puissant, overhook puissant, direct puissant. Ouais, parce que là c'est, il faut mettre pour chaque point parce que sinon j'ai pas de Superman punch, j'ai pas de back, elbow, tac, ça c'est bon. Attends là, ouais, direct puissant parce que là, on peut faire des directs différemment à chaque fois avec les touches. Donc il y en a avec plus d'amplitude, plus amplitude et moins d'amplitude, donc voilà, tout simplement. Donc on va voir les coups de pied. Coup de pied, donc non. Front kick, circulaire. Attends. Ouais. Circulaire, non. Ok, là j'ai rien. Parce que le problème c'est qu'ils te mettent pas. Coup de genou, ok. Te mettre pas l'endroit où t'as débloqué des techniques. Ça, c'est puissant, ça j'aime bien ça. Brazilian kick, voilà. Bam, Brazilian kick. Voilà. Ok. Bon, après il faut tout débloquer pour pouvoir se faire le combattant, l'ultimate fighter. Bon, ça fait combien de temps? Donc ça fait 13 minutes, on va faire un combat. On va s'entraîner, on va faire un combat. Je vais pas faire un épisode très très long parce que j'ai fait des épisodes très très longs auparavant et que ce soit au niveau du montage, du rendu, tout ça, ça m'a pris beaucoup de temps. Après de la mise en ligne aussi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que je capture en 1080p, 30 images par seconde, donc ça bouffe et surtout c'est de la PS4. Donc le flux envoyé est différent que sur la PS3 ou sur Xbox 360 quand tu captures en 1080p. Donc, hop, menu, hop, on va signer un nouveau contrat. C'est qui ce mec là? Ce combat doit remettre tes compétences à l'épreuve. Putain, lui il est meilleur que moi déjà. Il est meilleur que moi. Donc j'espère que les droits d'auteur là, ça va pas être... Ça va, ça ne veut pas... Ah, le mec il avait plus à parler. Abusé, je suis tellement vénère par ce système de droits d'auteur là. Au niveau des musiques, c'est même pas YouTube qui m'a mis dans le bad, c'est le jeu qui m'a...
C'est le jeu qui m'a mis dans le bad en fait. C'est le jeu qui m'a mis dans le bad. Pourquoi? Là j'arrive à faire la... J'arrive à enlever... à m'échapper de la soumission là facilement en entraînement, mais en match c'est un autre délire. En combat c'est un autre délire. Bah donc je disais c'est pas trop YouTube. J'en veux pas trop à YouTube, c'est juste j'en veux au jeu parce qu'on peut pas régler comme on veut le son, on peut rien faire du tout, donc ça m'énerve un petit peu. Ush. Ça me gave un petit peu. Ok, mais je veux bien, mais si les mouvements mettent du temps à apparaître aussi. Donc pendant ce mode carrière, je vais pas beaucoup te parler pendant les combats parce qu'il faut se concentrer quand même, sinon on se prend le KO directement. C'est un peu chaud. C'est un peu raide ce que j'ai fait déjà dans les 5 premières vidéos. De toute façon, vous avez rien raté d'exceptionnel. Hein. J'ai perdu deux fois. Une fois pendant le tournoi au début. Pour rentrer en tant que Ultimate Fighter dans l'UFC, dans le tournoi, dans la compétition du UFC. Sinon, vous avez rien raté d'exceptionnel. Qu'est-ce que je dois faire là? J'ai même pas lu. On doit se protéger. Tes angles. Bien joué. On doit se protéger. Ouais, ça me rend dingue cette histoire qu'on puisse pas enlever le son. Là. Ça me rend dingue. C'est pas bon. Allez. J'aime cette pression. On continue comme ça. Allez, je veux te voir à l'œuvre. Ok, bah ouais, bah c'est lui qui doit taper, hein, c'est pas moi. Hein. Bon boulot, c'est bien. Comment tu te sens? Je me sens bien, coach. Donc là, on a gagné des points. Hop, on a de l'XP là-haut, là on a gagné des points, il faut les répartir. Donc là, je vais répartir. Là, c'est bon, je suis à donf. Qu'est-ce que je vais faire en fait? Attendez. Non, pour le blocage, ça demande trop. Alors, on va au sol, non. Santé du corps, non. Santé jambes. Ok, ça fait pas augmenter mes stats puisque le mec il a 70. Hein. On va essayer tout de même d'être un peu à son niveau. Donc on va augmenter vitesse des coups de pied. Voilà. On augmente ça tranquillement. Hop, ouais, c'est parti. On va essayer de pas passer beaucoup de temps dans les menus puisqu'à cause de la musique encore, c'est chaud. C'est très très chaud à ce niveau-là. Ouais, c'est parti. On va passer au combat. Là, on s'en fout, il y a un mec qui a les cheveux verts. Il y a un mec avec les cheveux verts. De quoi c'est chaud, hein. C'est quand même très très chaud. Fatigant. Fatigant, tu fais quelque chose après tout le travail. Tu as tout le travail que tu as fait pour rendre plaisir aux gens. Pour se faire plaisir à soi-même et faire plaisir aux personnes à qui ça intéresse. Tu vois, tout ça réduit à néant, puisque je pensais vous mettre une vidéo par jour là pendant ces vacances, c'est-à-dire que voilà, lundi, pendant 5 jours quoi, le lundi, le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et puis le week-end, comme je joue plus à la console le week-end, donc je fais mes captures le week-end, le montage le week-end, la mise en ligne le week-end, et la semaine, je mets les vidéos en ligne, quoi.
on va voir, ça dépend. Ça dépend de beaucoup de choses plutôt. Donc c'est parti. Et on va se battre directement, j'en peux plus. Hein. Et nous y voilà. Ok. Ouh. Ah, il m'a déjà éclaté le foie là. Il m'a déjà éclaté le bide. Non, pas ça, je déteste les shops, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf, je déteste les... Ah, j'ai oublié comment ça s'appelle ça. Oh là. Je l'ai mis KO avec mon pote mexicain. Hop. On reste concentré. Il a le visage un peu... cherche à les souffler. Garde le rythme et enchaîne. Très belle frappe sèche. Ouais, c'est bien placé ça. Il part ce coup. Ce n'est plus un combat, c'est une vraie bagarre. Joli crochet à la tête. Ok, en fait les crochets lourds, les directs lourds. Joli crochet. Mais non, oh là là. Je déteste ça, c'est un truc de fou. Je vais pas arrêter de le répéter dans dans ce mode carrière. Vous avez vu la chair qui... Voilà, ça c'est beau ça. À chaque fois, je me prends les takedowns là. Hop. Vas-y, lâche-moi. Non, s'il te plaît. Comment on fait? Je comprends rien. Je comprends que dalle. Je sais pas comment on fait pour... Comment on fait? S'il te plaît, comment on fait? S'il te plaît, explique-moi. Je comprends rien. J'ai pas compris. Il a gagné le mec avec ça, non il a perdu. J'ai pas compris. Ah oui, je perds des fans, normal. Attends, c'est quoi ce délire? Oh, on va revenir au gymnase. Ok, c'est-à-dire que... Putain... Retour au gymnase. J'ai rien capté. C'est pas bon deux fois que je me fais avoir par soumission. Il faut que je capte réellement comment ça fonctionne ce système là d'hexagone, d'octogone là, la con là. Ce que j'ai fait là, j'ai fait les trucs là, qu'est-ce qui m'a pas lâché le bras là. Ah, c'est atroce. C'est atroce qu'on n'arrive pas à faire ce qu'il faut faire en fait. C'est atroce, peut-être que je devrais augmenter mes compétences. Oh non, mais... laissez-moi tranquille. Je suis pris encore une soumission, laissez-moi tranquille. J'en peux plus, j'en ai marre, oui. Je suis obligé de me battre contre des mecs beaucoup plus faibles. Histoire de reprendre un peu de confiance. Un peu de confiance dans la bataille, puisque là, j'ai perdu par soumission. C'est pas réellement un KO, quoi, t'as vu. Et tant que je suis pas KO, pour moi, c'est pas la fin. Ce n'est pas du tout la fin. Donc les amis, on va s'arrêter là, hein. Donc je vous ai fait un petit combat tranquillement, histoire de vous remettre un peu dans le contexte, histoire de vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé avec mes vidéos, pourquoi vous n'avez pas eu d'épisode le vendredi comme je l'avais promis, tout ça,
à cause des droits d'auteur, donc je suis obligé de recommencer recommencer les vidéos que j'avais prévues, mais j'ai pas tout recommencé tout à zéro, comme vous pouvez le voir, on continue mon mode carrière comme je l'ai commencé. De toute façon, il n'y a rien d'extraordinaire que j'ai fait pour l'instant, j'ai pas de titre, je suis pas champion, je suis juste là, je suis en train de me prendre des soumissions vénères, donc je vais travailler ça un petit peu au sol, je vais travailler ça dans la prochaine vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir, bande de furieux, et on se dit à la prochaine, salut tout le monde.